retrouve comme tous les dimanches pour une toute nouvelle séance de fitness. Donc avant de commencer, j'aimerais revenir un petit peu sur ma semaine parce que c'était une semaine vraiment hyper chargée. Donc en début de semaine, j'étais à Lyon. Mercredi, je vous ai annoncé une très grande nouvelle et vendredi, une autre grande nouvelle. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, cliquez sur les miniatures, allez dans la barre d'infos, allez voir ces vidéos. Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Vous êtes obligé d'aller les voir, sinon vous ne serez pas au courant de ces deux grandes nouvelles. Et puis sinon, hier et avant-hier, j'étais en Alsace et ce week-end, on a deux gros spectacles avec, avec notre association Les Cœurs d'Artichaut. Donc voilà, une semaine très chargée. Donc du coup, aujourd'hui, nouvelle séance quand même, hein, on ne déroge pas à la règle, mais elle sera plus courte. Elle va durer que 6 minutes, elle sera super intense. Et pour répondre un petit peu à vos inquiétudes suite à ma dernière vidéo de mercredi, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va changer sur ma chaîne. Vous aurez certainement des vidéos avec des sujets un petit peu différents de temps en temps, bien évidemment, vu le contexte. Mais les séances de fitness, ça ne changera pas. Il y en aura toujours une tous les dimanches, comme d'habitude pour tous les niveaux, que vous soyez débutant, amateur, avancé, expert, etc. Vous en aurez pour tous les goûts. Et parfois, je serai accompagnée. Voilà, il y aura aussi des vidéos yoga, comme je vous l'ai dit sur la vidéo, donc allez la voir. Et puis voilà, plein de vidéos à venir. Et pour aujourd'hui, donc on va faire 3 exercices. Ce sera assez cardio, avec des variantes bien sûr. Moi je vais utiliser un accessoire, vous verrez. De toute façon, je vous montrerai tout au fur et à mesure. Et la séance va durer au total 6 minutes. On va faire aucune pause, donc ça va être assez hardcore. Et je ne vais pas la faire seule aujourd'hui. Je vais la faire accompagnée, donc de quelqu'un qui est une vraie grande gueule, mais qui n'est pas très sportive. Donc soyez indulgent. Prenez de l'eau si vous en avez. Moi aussi, mon bouteille de Gossard, tu l'as cherché. Il est en train de paniquer, mais tu te dis oui, si je vais faire mon sport et qu'il n'y a pas d'eau, je vais mourir. Donc oui, c'est bon, on a l'eau, ne t'inquiète pas. Tu peux venir. Donc, mon timer est prêt. J'ai ma bouteille d'eau. Je prends une medicine ball de 6 kg parce que je ne vais pas sauter. Donc pour l'exercice des fentes, je vais utiliser ça. Donc vite fait, je vous montre les 3 exercices parce que comme on n'aura pas de pause, je vais peut-être pas avoir trop le temps de vous parler. Pour le premier exercice, on va faire des burpees. Mais nous, on va le compliquer un peu parce qu'on va rajouter des mountain climbers. Donc vous venez en planche en sautant, on fait 4 mountain climbers, donc 2 de chaque côté. On revient en sautant, on se lève. Ça, c'est le premier exercice. Si vous êtes débutant, vous regarderez, vous ferez comme moi. Si vous êtes plus avancé, vous faites comme mon invité. Enfin, à mon avis, il faut la version débutant. Pour les fentes ensuite, vous allez faire des fentes sautées. Et si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas envie, vous pouvez prendre un poids et vous faites comme moi, une fente avant. On twist comme ça, on travaille aussi les abdos. J'adore cet exercice. Et on alterne un côté puis l'autre. Et puis pour les autres, fente sautée. Et dernier exercice. Je le déteste, mais il est très efficace pour muscler tout le haut du corps, le bas du corps, les abdos. Ça va être le gainage commando. Donc, vous venez sur les coudes, vous allez venir en planche et redescendre sur les coudes. Donc, vous mettez sur les pieds, si c'est trop dur, vous passez sur les genoux et vous faites ce mouvement. Voilà, on peut commencer, tu vois? Bon, allez. On y va, c'est parti. Premier exercice, burpee avec les 4 mountain climbers. On y va en position, c'est parti. Soyez pas trop méchant avec moi. Oh, ça a commencé là. Ah bon. Tiens. Tu triches déjà. Allez, on tient bon. On respire bien. On serre bien les abdos et on serre aussi les fesses en remontant, en sautant, tout ça. Deuxième exercice, commando. Ah merde. On va pas continuer avec les fentes sautées parce que sinon vous allez mourir. On respire bien. Les abdos bien serrés. On essaie d'alterner un bras puis l'autre. C'est un bon, c'est presque fini. On passe sur les fentes sautées. On les fente avant avec un poids. Fente sautée. Vous en aviez rêvé.
Voilà le caméraman qui fait enfin une séance. Je suis déjà mort. Burpee, mountain climber. Bon bah écoutez, vous pouvez faire de vous.
C'était une séance très courte, mais vraiment très... je me baisse, vous allez pas me voir. C'était une séance courte. C'était très difficile. Mais c'était super intense. C'est donc si vous vous donnez à fond pour une petite séance de 6 minutes comme ça, vous allez vraiment avoir de beaux résultats. Puisque ce qui est important, c'est pas la durée de la séance, mais c'est vraiment l'intensité et l'intention que vous allez y mettre. Donc... Hey, tous ceux qui m'aiment pas, bah vous pouvez mettre un pouce bleu. Parce que j'ai souffert pour vous. Tous ceux qui m'aiment bien aussi, vous pouvez mettre un pouce bleu. Voilà, mettez bien un pouce bleu et mettez-moi un pouce bleu aussi parce que j'ai eu le courage de faire la séance quand même. Voilà. Vous pouvez aller la voir sur la chaîne de Bodytime, il y a une vidéo qui va sortir. Qui est déjà sortie, non? Ils ont fait un truc comme ça. Ouais, un peu hardcore aussi. C'était bien. Ouais, en 360 degrés, la caméra. Moi, je l'ai pas fait, c'était trop dur. Mais allez les voir, allez leur mettre un pouce bleu, allez leur faire un coucou de ma part. Et puis nous, on vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette séance, à commenter et à la faire avec votre compagnon ou votre compagnonne. Comme ça, on va voir si vous êtes meilleur que. On va la refaire une deuxième fois maintenant. Allez, vous êtes prêts? Allez, flip. Allez, super. Non, t'as pas le courage. Non, c'est pas le courage là. Ciao, ciao. À la prochaine. C'est pile le type de séance pour augmenter le volume des fesses, mais garder des cuisses fines. Donc si c'est votre objectif, c'est parfaitement le type de séance à rajouter à vos routines. Ah, c'est pas le bon bouton. Comment on arrête? Un bouton rouge. Je le vois pas. Bouton rouge, mais où? À droite, il y a un bouton rouge.